Dasha, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu veux te marier? Attends, tais-toi. J'ai pensé à un homme qui est plus âgé que toi. C'est encore un bel homme. Il s'agit de Stefan Trafinovitch, qui a été ton professeur et que tu as toujours estimé. Alors? Je ne suis pas contre. Mais vous savez, j'ai ce problème esthétique qui m'empêche de penser sérieusement au mariage. Oui, oui, je sais bien, ma petite. Je te paierai la chirurgie esthétique avant ton mariage. J'en ai déjà parlé à un ami qui est chirurgien. Et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale? Il est directeur d'une clinique, tu feras un très bon prix. Tu me rembourseras petit à petit avec ton travail. Alors, tu serais d'accord pour épouser Stefan Trafinovitch? Dans ce cas, et s'il le faut absolument, je le ferai. Pourquoi tu dis absolument? Si c'est ça comme ça, t'es pas du tout obligée de te marier. D'accord, je le ferai. Donc tu consens? Mais alors, je croyais que tu devais être là à 10h, toi. J'ai voulu faire laver ma voiture ce matin. Je devais l'amener au garage, mais en sortant de chez moi, j'ai constaté qu'il y avait du courrier. Je décide donc de regarder le courrier avant d'aller au garage. Bon. En jetant le courrier publicitaire, je constate que la corbeille est pleine. Je décide donc de la vider. T'es complètement dada, mon garçon. Et c'est pas fini. Je sors mon chéquier pour régler les factures incluses dans le courrier. Et là, je me rends compte qu'il n'en reste plus qu'un de chèque. Je vais donc chercher mon deuxième chéquier dans mon bureau. Et là, je constate qu'il y a une boîte de coca sur mes papiers. Ça veut dire quoi, dada? Dada, déficience de l'attention due à l'âge. Avant que quelqu'un ne la renverse, je décide donc de la jeter, de la mettre à la poubelle. Je traverse le salon et là, je découvre un vase. Je vois que les fleurs manquent d'eau, donc je décide de prendre le vase. Bon, je pose la boîte de coca sur la bibliothèque. Et là, je découvre mes lunettes de vue. Oh, celle que tu cherchais depuis l'année dernière? Et celle-là même. Super, tu devais être vachement content. Heureux. Barbara. Bah. J'aime votre rire. Oh. Je pourrais pas m'en passer.